Je vous rappelle qu'il y a, voilà, il y a un jeûne à partir de demain. Amen. À partir de demain, un jeûne de repentance pour toute l'église. Toute l'église, Jésus revient. C'est-à-dire que quand je parle de l'église, c'est de toutes les assemblées. Alléluia. Que ce soit Bassam, que ce soit Vriti Yako, que ce soit André, Abobo. Alléluia. Côte d'Ivoire, Maroc, toutes les églises, Jésus revient. Un jeûne de 3 jours de repentance. Un jeûne à fruits. Alléluia. Un jeûne à fruits. Vous allez prendre les versets. Prenez des notes. Vous allez prendre les versets avec lesquels vous allez prier. Prenez quelque chose pour noter rapidement. Je vais donner les versets. Alléluia. Zacharie 1, verset 3. Le Seigneur dit, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Joël 2, verset 13. Actes 3, 19. 1 Jean 1, verset 9. Proverbe 28, verset 13. 2 Corinthiens 7, 14. Matthieu 3, verset 8. Marc 1, verset 15. Je vais reprendre rapidement. Zacharie 1, 3, verset 3. Joël 2, verset 13. Acte 3, verset 19. 1 Jean 1, verset 9. Proverbe 28, verset 13. Vous me suivez? C'est bon? Je peux continuer? 2 Corinthiens 7, verset 14. Matthieu 3, verset 8. Marc 1, verset 15. Durant ces 3 jours, vous allez vous repentir sincèrement. Sur la base de ces différents versets bibliques. Alléluia. Toi qui as encore de l'idolâtrie en toi, va demander pardon au Seigneur Jésus. Matthieu 3, verset 8 dit de produire en soi les fruits dignes de la repentance. Vous allez demander les fruits de l'Esprit de Dieu. Le dernier jour. Alléluia. Vous allez demander au Seigneur de vous donner ses fruits. De mettre ses fruits en vous. De mettre son amour en vous. Afin que vous puissiez marcher dans ses voies. Et obéir à sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il ne faut pas venir ce dimanche qu'on va te demander qui a jeûné, tu vas lever ta main. Qui n'a pas jeûné. Parce que quand on donne les moments de jeûne, on s'attend à ce qu'il y ait à chaque fois des personnes, des mains levées, puis tu dis, ah, moi je n'ai pas pu jeûner, hein, je n'ai pas jeûné. Hein. Je ne pouvais pas. On n'a pas dit 3 jours à sec. 3 jours à fruit. L'obéissance vaut mieux que les. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui a dit. Alléluia. Donc nous allons rappeler rapidement nos programmes de la semaine. Les dimanches, les cultes commencent à partir de 9h jusqu'à 14h. 14h, 14h30. Alléluia. Et le mardi, on a nos cellules. Mardi et vendredi soir, à partir de 19h, nous avons nos cultes du soir, ici même, au temple. Alléluia. Vous qui êtes aux alentours, vous pouvez venir prier ici. Il y a les enseignements, il y a la prière. Alléluia. Les mercredis, nous avons
la séance de délivrance au Carrefour Dialogue, juste au-dessus du restaurant chez Clément. Alléluia. Mercredi. Alors, avant de venir à la délivrance, il faut d'abord faire un entretien avec un homme de Dieu. Alléluia. Voilà. Qui lui, par la suite, va vous donner des moments de jeûne afin de venir à la délivrance. On ne se lève pas comme ça pour venir à la délivrance. Voilà. À moins que ce ne soit pour un entretien. Alléluia. Voilà. Si vous avez appelé un homme de Dieu, bon, il vous a demandé de venir pour un entretien. Amen. Les jeudis évangélisation. Jeudi évangélisation, que ce soit ici à Bassam, que ce soit à Cocody, à Yopougon, à Tabou, faut te lever le matin, dans l'après-midi, va évangéliser. Alléluia. Va évangéliser. Va gagner au moins une seule âme. Va parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Va parler de Jésus à quelqu'un. Tout à l'heure, la sœur Esther était en train d'évangéliser. Mais le fait qu'elle annonçait, évangélisait, parlait de Jésus, ça touchait l'âme de quelqu'un. Et la personne est venue vers elle et dit, ah, donne-moi ton contact. Parce que ce que tu dis là, ça m'a touché. Mais ce n'est pas elle, mais c'est Jésus qui lui a parlé et puis il allait vers elle. Donc toi aussi, le Seigneur aussi peut passer par toi pour toucher quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Chaque vendredi, chaque dernier vendredi, nous avons les veillées ici. Amen. Les samedis matin, séance de baptême. Séance de baptême. Alléluia. À partir de 9h. Voilà. Et pour les soirs, les samedis soirs, à partir de 15h, nous avons un séminaire sur la sainte doctrine. Voilà, pour vous qui voulez encore savoir encore plus sur la parole de Dieu, sur la sainte doctrine, vous imprégner encore plus. C'est l'occasion de venir les samedis à partir de 15h. Il y a des questions qui sont posées. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser aux hommes de Dieu, au docteur Abraham, à l'apôtre Abraham. Alléluia. Vous posez des questions, vous envoyez ça par SMS ou bien par WhatsApp au docteur Abraham, au prophète Daniel. Alléluia. Voilà, ou par Messenger, vous envoyez vos questions. Voilà. Et puis, le samedi, étant réunis ici, on va se charger de répondre à vos différentes questions. Amen. Voilà, parce que un peuple qui n'est pas enseigné, c'est un peuple qui va à la dérive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Venez ici au temple, vous êtes à Jésus, revient pendant un an, deux ans, trois ans, mais vous tournez toujours en rond. On vous enseigne, mais... Donc, c'est l'occasion de venir poser des questions. Pour ne pas que vous restiez là toujours à raisonner, encore à retourner encore à vos mêmes pratiques du passé. Alléluia. Amen. Voilà. Je pense qu'on a fini. On va tous se tenir debout. L'homme de Dieu, le pasteur Jacques va prier pour les nouveaux et puis en même temps pour la fin. Ok, l'apôtre Jean va venir prier pour les nouvelles personnes et puis la fin. On va tous se tenir debout. On ouvre les mains en signe de recevoir. Bien-aimé, n'oublie pas les 500 francs. Voilà, n'oublie pas les 500. Alléluia. Après le Amen final, là, il faut passer discrètement. Il y a l'âme de Dieu. Voilà, fais comme si tu viens faire un entretien. Les 500, là, c'est moi qui ai donné. Voilà. On va te donner ça doucement. Alléluia. Et puis tu vas te répandre fort. Et on va prier pour toi fort. Amen. Dans cette position, tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir du Seigneur. Tu vas commencer à dire merci en notre Dieu. Depuis ce matin jusqu'à pareille heure, il a été avec chacun de nous. Il s'est manifesté puissamment.
et t'apporter sa restauration, sa guérison, sa délivrance. En reconnaissance, tu vas élever la voix, tu vas dire merci. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Nous bénissons ton nom. Toi, tu as conduit les pas de tes enfants en ténèbres des armées jusqu'en ce lieu. Pour venir chercher ta face, pour venir te rencontrer. Je te prie, Seigneur, toi, tu as conduit les pas jusqu'en ce lieu, éternel des armées. Je te prie, notre Père, notre Dieu, de répandre en abondance des grâces et des faveurs dans les vies au nom de Jésus. Afin que ce témoignage qu'ils ont vu, ce témoignage qu'ils ont reçu en ce jour, Seigneur, puisse rester gravé dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur mémoire au nom de Jésus. Éternel, voici tes enfants que nous sommes. Tu nous as nourris de ta parole, éternel des armées. Tu nous as donné des avertissements. Et voici, Père, que chacun de nous va rentrer dans sa demeure respective. Et je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes venu pour adorer l'éternel des armées. Vous êtes venu pour chercher sa face. Je déclare que l'éternel te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Et que cette semaine qui commence, qu'une bonne nouvelle te soit annoncée au nom de Jésus. Et que cette semaine qui va commencer, que toute la porte qui était fermée s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus. Et que toi, qui étais venu pour adorer le véritable, et que tu partes avec cette grâce qui t'accorde au nom de Jésus. Que tu partes avec cette faveur qui t'accorde au nom de Jésus. Et que tu partes avec cette restauration qui t'accorde au nom de Jésus. Et que tu partes avec cette faveur qui t'accorde au nom de Jésus. Et je déclare maintenant, comme l'Éternel pouvait dire à Gédéon, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, vaillant héros, vaillante héroïne, va avec cette force que l'Éternel te donne. Va avec cette puissance que l'Éternel te donne. Va avec cette grâce que l'Éternel te donne. Va avec cette délivrance que l'Éternel te donne. Va avec cette restauration que l'Éternel te donne. Et va avec cette paix que l'Éternel te donne au nom de Jésus. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Shalom, shalom.